Rebonjour à tous, il fait toujours nuit. Bonjour. Il y a un beau croissant de lune que j'étais en train d'admirer Oh à la oui. fin de la vidéo précédente. Bah dis Parce donc. que c'est nouveau ça, les croissants de lune. La lune est toute carrée, mais il y a quand même un croissant de lune. C'est trop trop beau. C'est Ouais. nouveau, mais c'est bien fait. C'est Ce... réaliste, on va dire. Bon, moi, je suis toujours en surveillance de nos terres, car c'est assez dangereux, il y a beaucoup Ouais, d'ennemis au fond on va là-bas. pas trop s'éloigner de notre zone éclairée. Comme ça, les ennemis vont rester à distance. On va commencer tout de suite à construire peut-être les enclos. T'as des barrières? Oui, j'ai les barrières. Je vais poser quelques affaires. Tout ça sert pas tout de suite. Alors, comment faire On les met de quelle largeur, à peu près? Oh ben 6 sur 6 à peu près chacune. On peut les disposer tout en ligne ou alors faire un carré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais attends, je t'en passe, comme ça tu me montres tes idées. Tiens. Je vais réduire un peu l'abri. Tiens, je t'ai droppé des barrières. Ok, merci. 32 barrières. Bon bah, je commence un peu au hasard. Mettons comme ça. L'entrée, on va diriger vers notre abri à nous. Ah oui, il y a les portes aussi. Ben, la porte, je l'ai, c'est bon. Je mets la porte là. On n'est pas obligé de faire un truc trop grand. Comme ça sera bien. Je mets la porte là, c'est bon. Ouais, dans mon petit trou là. Mais tu crois que ça suffit le carré comme ça pour qu'il y ait des animaux dedans? Bah c'est nous qui allons les attirer dedans. Et puis après, bah, ils resteront dedans et puis ils se reproduiront. Ah, j'ai pas de hache. J'ai mis une barrière de travers. Je vais fabriquer plus de barrières. C'est rectifié. Merci. D'accord, alors pour ouvrir la porte de l'enclos, il faut cliquer à droite et non pas à gauche, Ah bon? contrairement aux portes normales. Ah. Encore des poulpes, décidément, on va. Je sens que je vais être filmé à détruire des poulpes. Trois, effectivement. Il fait jour, un beau lever de soleil. Alors maintenant, on peut poser des torches au-dessus des barrières. Parce qu'avant, on pouvait pas, je crois. Ça fait peut-être un petit moment qu'on peut quand même. Je me souviens plus trop. Ah bon? Ah mais j'ai construit les barrières au même niveau que notre culture de blé. C'est pas très malin. Alors dis-moi, Je j'ai une vais. hache, où tu veux faire? Bon, on va réduire comme ça en fait plutôt. Ah bah, je vais vraiment trop vite. Patience. La Ouais. patience est la vertu du vrai héros. Ok. Donc ça sera un premier enclos. On n'est peut-être pas obligé d'en construire 4 dès maintenant. On a Donc déjà on les fait. met collés comme ça. Ok. Ouais. On va déjà Voilà. faire un essai avec les vaches. Alors. Je t'explique comment on fait. Tu veux le faire? Vas-y, prends du blé dans le coffre. Voilà, j'en prends. Et puis tu fais un clic droit avec du blé sur la vache. Normalement, après, elle va t'aimer, je Ah crois. oui, elle-même. Oh, plein de cœurs. Tu les vois les cœurs? Non, moi je les vois pas. Donc, je vais le faire aussi. Comme ça, on verra dans la vidéo. Voilà, plein de cœurs. Et après, elle nous suit partout. Alors là, le but, c'est de la faire rentrer dans l'enclos. Viens voir par là. Voilà, super. Ouais, elle est Après, on ferme gentille. l'enclos. Maintenant, il Elle faut est qu'on en amène gentille. une deuxième. Donc en fait, fallait peut-être pas fermer l'enclos. Zut. Vas-y, non, Ah reste bah. là-dedans. Reclique puis droit dessus parce que. Super. Je vais essayer d'en trouver une deuxième. Parce qu'il faut qu'elle soit au moins deux pour se reproduire. Par contre, elles n'ont pas de sexe. Ça y est, je l'ai enfermé. Il y en a deux autres ici. Même trois. Il y en a plein. Bon, allez, on va en emporter plein.
Moi, je vais en prendre venez deux à la vers fois. Moi. Ah bah ça y est, j'ai déjà, elles se sont déjà reproduites là. Oh, des petits bébés vaches, oh, c'est mignon. T'as vu comment c'est mignon. Mais elles me suivent alors que je les ai pas enchantées. Ah, alors peut-être qu'elles suivent tous les joueurs. Bon, en tout elles cas... suivent le blé peut-être. Ah oui, c'est le blé. Ouais, ah, je donc, confirme, en fait, je confirme, elles suivent le blé. En fait, on n'a pas besoin de faire un clic droit. Ouais, parce que ça gâche du blé. Le clic droit, c'était... Si ça se trouve, c'était juste pour les faire se reproduire. Elles qu'est-ce viennent. Qu'elle fout sur la barrière, celle-ci? Venez, les petites. Venez par là. Ah oui, c'est ça. Ça marche. Venez, mes jolies. Oh. Mais attends, t'es... c'est pas le bon. Oui, mais il y en a tellement qu'on va pas les mettre toutes dans le même. Ah si, parce que l'autre c'était pour des cochons, des moutons, tout ce qu'on trouvera quoi. Ah bon? Bah moi, ça y est, je les ai enfermés. Il en reste une encore. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur la barrière, celle-là? Bon bah du coup, on va faire un grand enclos et puis c'est tout. Bon bah voilà. Un grand enclos avec deux barrières. Oh, mais elle s'est enfuie, celle-là. On le réduira plus tard. Allez, faut les attirer à l'intérieur. Ah oui, tu les as laissés échapper. C'est parce qu'il en manquait une, alors j'avais pas fermé. Allez, viens. Ça y est, elle est là. Elle est là. Il en reste une encore. Vas-y, je l'attire. Mais pourquoi elle veut s'enfuir? Vas-y, je les attire. Toi, tu veux que je fasse quoi? Bah, tu sors de l'enclos et tu l'enfermes. Ok. Ah bah, ça y est, c'est bon. Parfait. Venez, les belles. Maintenant... On aura plein de viande. Voilà. Mais comment elles font pour sauter au-dessus des barrières? Normalement, oui, c'est pas possible. Est-ce qu'on double les barrières? Bah. Ça va nous coûter cher en barrière. Ça doit être un bug de. Un nouveau bug, peut-être. Parce qu'on dirait qu'elles peuvent pas sortir quand même. Ouais. Mais c'est comme ça qu'il disait donnez-leur de l'amour. Tu me disais il faut leur donner et de oui, l'amour c'est... et pas c'est le blé. C'est ça que je voulais dire. Alors je fabrique un autre enclos. Mais en fait le blé il sert à quoi? Le blé il sert à les faire se reproduire entre elles. Mais d'avoir du blé à côté comme ça? Et il sert aussi à les attirer, juste en le brandissant vers elles. Oui, non, mais nos cultures de blé, là... Ouais, bah ça servira pour ça. Et puis aussi, le blé, ça sert aussi à faire du pain. Oui, c'est vrai. Bon, que fait-on maintenant? Faudrait qu'on essaye de trouver d'autres animaux. Ah, je vais à la recherche d'autres animaux. Bon, alors, pendant ce temps, j'agrandis l'enclos pour faire... pour qu'on puisse s'occuper d'autres animaux aussi. Ben oui, il faudrait du mouton. Mouton. Je vais essayer de quand même... Ah, j'ai des cocottes. Non. Les cocottes, ça marche avec le blé? Ouais, ouais, ça marche aussi. Ah, j'en ai deux. Allez, viens par là, viens par là. Viens ici, petite, petite, petite. Oui, t'es belle. Les petits, ils obéissent pas. Venez là. Venez, les cocottes. J'arrive avec des cocottes. Ah, super. Je vais chanter une chanson épique. J'arrive pas à fermer la porte. C'est bon, j'ai réussi à... remettre les vaches dans une partie de l'enclos. Donc maintenant on a un enclos de libre pour les poulets. Ah, un œuf. Cocotte. Cocotte. Vas-y, recule et puis laisse-les entrer, laisse-les te suivre. Tu crois qu'il faudrait je vais t'aider un peu, je vais les pousser. À mon avis, il faudrait les
ne pas construire l'enclos en entier et le fermer sur eux, parce que là... Si, mais ça marche comme ça. Il n'en manque plus qu'un. Viens voir par là, toi. Viens voir par là. Allez. C'est bon. Hop, et maintenant on s'en va. Ah! Il y en a un qui est sorti. Ah bah, ils sont tous sortis ou quoi? Non, 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 c'est moi qui les ai tirés. Merci. Ça y est, je vais la tirer. Ouais, c'est bon. Bien joué. Ouais, c'est fermé, ça y est. Alors, à la recherche d'autres animaux... C'est mignon toutes ces choses. T'as vu, c'est rigolo. Hein. Pour cultiver des cocottes. Oh, il y a un creeper dans un gros trou. Ouh, je sens que ça, enfin, ça sent le la caverne d'Enderman là-dessous là. Un endroit très profond comme ça. Il y avait un Enderman tout à l'heure pendant la nuit. Oui. Ça sent la crevasse. Ça sent l'exploration, le danger. Les mines, les... En fait, on marche au-dessus de plein de chemins, là. Oh, des cochons, ça y est, j'en ai. Et ben voilà, on va pouvoir faire un troisième enclos avec des cochons. Comment on fait alors les portes de barrière, déjà? Eh ben, tu mets tes 6 bâtons comme les barrières, sauf que les deux du milieu, c'est un du bois. C'est ça. Merci. Je vais en faire encore quelques-unes. Voilà, j'ai 3 cochons qui me suivent. Je vais chercher le quatrième. Hop, petit, petit. Venez, venez, petit. Allez, viens, toi. Je réaménage nos enclos. Voilà, super. Ah! La porte, elle s'est pas mise comme je voulais. Ouais, c'est mieux. Maintenant, on peut circuler entre les différents enclos plus facilement. D'accord. J'ai mis plusieurs portes. Super. C'est pas trop mal, je trouve. Bah, t'es sorti, toi? Ah non, c'était un bug. C'est un peu buggé, quand même, tout ça. Oh, c'est Minecraft. Hein. Voilà, j'ai 4 cochons. Ils me suivent. Venez, les petits. C'est bon pour l'enclos? Ouais. Il commence à faire nuit en plus. Ah bon, bah alors on va pas tarder à arrêter la vidéo. J'ai perdu un cochon. Pas trop long. Cochon! Voilà, avec mes petits amis. C'est pas symétrique. C'est pas assez grand, les enclos, aussi. Ben... Parce on est obligé d'avoir des cochons, dizaines de vaches et de cochons à chaque fois, non plus. Hein. On pourra agrandir par la suite. Alors, il y a un dernier endroit où je voulais en mettre une, c'est là. Ouais, mais c'est mieux parce que pour attirer mes cochons. Pousse le cochon.
Parce que là, j'arrive pas à les faire rentrer, les cochons. Tiens, viens là, toi. Viens par là. Viens, mon pote. Là, c'est bien. Viens. Laisse-le entrer. Non, mais j'essaye de faire rentrer les autres aussi. Non, mais sors pas, toi. Voilà, c'est bien. Super. On s'en va? Bah, il y en a deux. Ferme celui-là. Il y en a un troisième. Il est à l'intérieur de la barrière, celui-là, ou quoi? Non, c'est bon. Bah, il est chez nous, le cochon, il est bête. Bon, bah, mission accomplie. Enfin, on n'a pas encore de moutons, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, tout ça. On a une belle ferme. Oula, par contre, il y a plein de creepers là-bas. Ok, bon, bah, de toute façon, on va arrêter pour cet épisode. On a fait ce qu'on voulait faire. Ok, et ben merci à tous, merci aux cochons, merci aux vaches, merci aux poulets d'avoir participé à cet épisode, et Creeper, c'est pas grave, et à bientôt pour un prochain épisode, un épisode où ça sera reconstruit, salut à tous.